Bonsoir. Il y a 18 jours exactement, s'effondraient à New York les deux tours de la World Trade Center. Quelques heures qui suivront, et M. le Président des États-Unis, M. George W. Bush, déclarera à la nation que le monde entier était sous attaque. Il dira plus précisément au départ, « The United States of America are at war ». Les États-Unis d'Amérique sont en guerre. Eh bien, cette guerre qui est déterminée par l'effondrement de ces deux tours a-t-elle une signification beaucoup plus profonde que des bâtisses qui tombent d'elles-mêmes par, évidemment, une tour incroyable faite par, supposément, un personnage caché quelque part qui s'appellerait Ben Laden? Mes amis, ce soir, je vous invite à investiguer avec moi les causes plus profondes derrière tout ce monde de stratégie, ce monde de catastrophe, et pour vous inviter à comprendre qu'il y a des notions lorsqu'on regarde ce monde qui manquent lorsqu'on le regarde simplement en apparence à la lumière incandescente. Je vais vous inviter maintenant à l'écouter à la lumière de l'infrarouge pour que nous puissions voir derrière la nuit, derrière la noirceur, derrière les ténèbres qui manquent dans les notions, afin que vous puissiez avoir une idée de ce qui vient. Et ces notions sont les suivantes. Premièrement, on ne peut vraiment analyser ces choses sans la connaissance des sociétés secrètes. Première notion. Deuxième notion, on ne peut vraiment comprendre si ces choses sont d'importance capitale pour l'humanité et pour l'homme dans son individualité ou sa collectivité sans la connaissance des prophéties bibliques. Je vais, si vous voulez bien, ce soir, nous allons ensemble investiguer chacun de ces éléments et ensuite je vous laisserai juger des choses qui viennent sur ce monde. Le vrai objectif de cet attentat n'est pas nouveau. Il a été la cause, il a été la stratégie avec laquelle les grandes guerres se sont déclarées. Il faut penser à Ferdinand d'Autriche qui se fait tuer sur son propre terrain en 1914 et qui nous vaudra une guerre mondiale. Il faut penser à Pearl Harbor qui sera détruit en 1941 et qui permettra aux Américains de s'en aller vers la guerre. Mais ce qui est inusité ici, c'est que ces deux attentats avaient été préparés par les pays mêmes où ils se sont fait tuer leurs propres hommes. Le président des États-Unis, M. Franklin Roosevelt, à l'époque, connaissait très bien que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor, tuer près de 2500 de ses soldats et briser une flotte qui coûtait des centaines de millions et des milliards de dollars. La même chose se répète, l'histoire se répète, les hommes n'apprennent pas de l'histoire. Et le but de cela, c'est pour arriver à une chose bien précise qu'on appelle « Novus Ordo Seclorum », qui veut dire « Nouvel Ordre des siècles ». Le nouvel ordre des siècles a été scruté aux États-Unis à travers le monde par des chrétiens qui sont journalistes, des chrétiens qui sont des chroniqueurs, des analystes, et qui ont mis à la lumière ce qui se cachait derrière le nouvel ordre mondial. Et ce faisant, ces hommes qui ont créé ces choses ont changé de nom en cours de route. Il me fait plaisir ce soir de vous montrer quelques-uns de leurs noms, de telle sorte que lorsque vous écouterez la télévision dans le futur, vous puissiez reconnaître que c'est Novus Ordo Seclorum caché derrière des noms différents. On l'appellera tantôt le village global. Un peu plus tard, on l'appellera la gouvernance globale. Ces termes en eux-mêmes vous indiquent
qu'on a un projet de gouverner globalement la planète Terre, cette planète où on a cru que régnait une démocratie, qu'on veut enlever aux hommes par le truchement et des stratégies psychologiques collectives que nous allons dévoiler ce soir. On l'appellera également le Nouvel Ordre mondial. Plus que cela, on l'appellera la Fédération de la Terre, une fédération complète. Vous avez ici le symbole de la Fédération de la Terre, appelé en anglais United Planetary Federation, et que nous retrouvons sur des ce symbole que nous trouvons un peu partout sur des documents qui sont bien sûr de spécialité. Nous trouvons également un autre nom, du nom de Nouvelle Charte des Nations. Il y a d'autres noms, l'Association parlementaire et constitution mondiale qui fut mise sur pied en 1992. Il y a une quinzaine de noms supplémentaires dont nous vous soustrayons afin que vous compreniez qu'on se cache derrière des mots, mais on n'a qu'un seul objectif et c'est ce que nous verrons maintenant. Quel est donc cet objectif qui est en convoité, qui a ces noms, quelqu'un a pensé unir le monde entier? Alors, le but de tous ces noms, c'est d'amener tous les hommes sous un seul gouvernement, d'amener tous les hommes sous une seule religion, sous une seule monnaie internationale, une seule politique, une seule armée, mais elle s'appelle maintenant les casques bleus des Nations Unies. C'est d'amener tous les hommes dans une seule culture. Vous allez au Japon, vous allez en Afrique, vous verrez les jeunes habillés avec des espadrilles et puis des jeans, puis un petit gilet blanc. Il n'y a plus de différence de culture. Maintenant, tout le monde s'habille, pense de la même façon. Et les amener, évidemment, et finalement, sous un seul et même chef. Tout ceci s'est préparé de très longue échéance. Nous le verrons au cours des minutes qui vont suivre. Maintenant, au nom de quoi ces hommes peuvent-ils faire ces choses? Eh bien, ils le font au nom de la démocratie. Ils le font au nom de la paix internationale. Ils le font au nom d'une justice sociale. Ils le feront également au nom du respect des hommes. Et plus que cela, ils le feront maintenant au nom de la préservation de la planète. C'est qu'il faut se demander maintenant... Qui se cache derrière cette idée? Qui sont ces hommes? Est-ce que ce sont des gens qu'on peut palper? Est-ce qu'on peut trouver des noms sur ces gens? Effectivement, je vous en nomme quelques-uns ici. C'est ce qu'on appelle l'élite globaliste internationale. Ce n'est pas une idée nouvelle, l'élite globaliste internationale. Elle commença à la tour de Babel, où Dieu avait demandé aux hommes de se disperser sur la planète et de la cultiver, cette planète, de la dominer, cette planète. Alors, les hommes dirent, non, nous allons rester à la même place, nous allons nous bâtir une tour et nous allons nous faire un nom et nous allons avoir de la puissance. Et le but de cela, nous le verrons en cours de route, c'était la domination internationale de tous les hommes. Ces hommes sont encore soumis à la même idée à la fin des siècles et on voit ici quelques-uns de ces hommes, entre autres un homme bien connu qui était le secrétaire des Affaires extérieures des États-Unis, dont le nom est M. Henry Kissinger. On voit les frères Rockefeller et une panoplie d'autres qu'on pourrait nommer les Rothschild, les Schiff, les Jacobs, les Morgan. Il y en a des douzaines, mais ce sont les hommes les plus importants. Ce sont eux qui mènent la planète et ce sont eux qui ont conçu ce plan diabolique d'amener tous les hommes sous un seul chef. Qui sont ces hommes? Eh bien, ce sont les hommes les plus puissants de ce monde qui détiennent premièrement la richesse monétaire. Il leur faut une incroyable richesse. Ce soir, nous n'aurons pas le temps de montrer comment ils ont acquis ces richesses. Je peux simplement les qualifier dans un mot, qualifier ce processus de possession des richesses dans un mot. Le mot serait fraude. Il y a en arrière des cassettes qui vous démontreront ces choses, comment ils l'ont fait, entre autres une cassette qui s'intitule « Le système bancaire ». Ces hommes possèdent des influences politiques. Avec de l'argent, on peut acheter qui ou quoi que ce soit. Enfin, certains hommes seulement échappent à ces influences. Ils disposent également de la technologie
pour arriver à leur fin. Ce que vous voyez sur cette image maintenant, c'est un système qui s'appelle HARP, qui veut dire un programme de recherche sur les hôtes aurores actives. Ce programme a été mis sur pied en Alaska et avec ces antennes que nous trouvons à quelques centaines de milles séparées dans le monde, on produit à volonté des tornades, des tempêtes qui sont de nature à dévorer, à briser, à amener la catastrophe dans une société organisée. Ils suivent, bien sûr, depuis des siècles, et ces hommes meurent, mais les familles se continuent, un plan déterminé et un plan de longue échéance qui a commencé, bien sûr, loin dans le passé, des millénaires, mais qui s'est vraiment organisé d'une façon concrète et bien structurée en 1776 avec un homme qui s'appelait Adam Weishaupt, dont nous n'avons pas le temps de vous parler ce soir. Ce n'est pas le but de vous denter dans les détails, mais vous pourrez trouver ces détails dans une cassette qui s'appelle Ardo Ab Kao. Ces hommes, évidemment, travaillent en secret. Dans une société politique, ces hommes travaillent en secret. Ils rendent les gouvernements complices, justement, par la production des crédits qu'ils octroient au gouvernement et par ces crédits dont l'argent vient de nulle part, nous vous expliquerons cela dans ces cassettes, eh bien, ils se sont emparés du monde entier par les collatérales fournies pour avoir accès à ces crédits dont les collatérales, ce sont les biens que vous possédez, le pays que nous possédons, les minéraux de notre sol. Voici quelques caractéristiques de ces hommes. Il est peut-être difficile pour vous maintenant de croire que cela est possible. Sachez que la façon dont vous pensez peut différer énormément de la façon dont un autre pense, ou encore que ce qu'une petite collectivité d'hommes peuvent penser peut très différer d'une autre collectivité d'hommes. Ces hommes se croient des dieux, se croient en charge d'une mission divine. Et leur but, c'est de sauver la planète. Ils se croient les propriétaires de la Terre. Ils croient que la race humaine est à leur service. Souvenez-vous qu'Adolf Hitler faisait partie du groupe de Thule, et qu'on leur enseignait qu'ils étaient des dieux et qu'ils devaient posséder, ils devaient amener cette planète et conduire l'humanité comme si elle était du bétail. Ils ont droit de vie ou de mort sur les hommes. Nous en parlerons plus en détail dans d'autres documents. Leurs méthodes d'action sont anciennes, mais elles sont encore très efficaces. Et ils le font par infiltration des sociétés existantes. Le système d'éducation en est un. Ils le font également par la création de slogans populaires. Je vous en nommer quelques-uns de ces slogans. Et M. George Bush s'est servi de ces slogans pour amener une population américaine à désirer et à vouloir aller à la guerre contre un bouc émissaire à peu près non existant et amener des armées complètes, mobiliser des forces de l'air, de terre et de mer contre un homme qu'on devrait chercher, trouver mort ou vivant. Et tous ces milliers, ces milliards de dollars qui s'envolent et qui attaquent une population sans comprendre vraiment ce qui arrive dans cette société, eh bien, c'est là l'intelligence la plus sournoise. La liberté est attaquée, disait-il. Avec un slogan comme celui-ci, on peut amener avec nous des armées d'hommes qui disent qu'il faut défendre notre liberté. Ces hommes n'ont pas été demandés à M. George Bush où est-ce qu'elle est attaquée. Le terrorisme est une attaque à la civilisation. Le terrorisme qui a été fait aux États-Unis n'est pas une attaque à toute la civilisation. Le terrorisme est une attaque sur les États-Unis d'Amérique. Laissez-moi vous rappeler que durant la guerre du Golfe en 1991, M. Bush, le père, a permis aux généraux qui étaient sur le champ d'action lorsqu'un convoi de 150 000 Irakiens retournait du front vers
la civilisation et qu'ils avaient des drapeaux blancs qui, selon la Convention de Genève, la guerre est terminée. Lorsqu'on lui demandera par téléphone qu'est-ce qu'on devait faire, il donnera des ordres de les exterminer. 150 000 hommes ont été exterminés avec le drapeau blanc dans les mains. Il donnera ordre d'enterrer vivants 12 000 soldats irakiens qui étaient là et qui demandaient les mains en l'air, qu'on les prenne prisonniers. Ils les ont enterrés vivants. Et on se demande ensuite pourquoi est-ce que les nations en veulent tant aux Américains. Le monde entier est derrière nous, disait-il. Avez-vous été interrogé, vous, si vous étiez derrière lui? Ah, ce sont des slogans qui font croire aux gens que tout le monde, le reste de l'humanité est d'accord, sauf vous-même. Ces hommes, leur méthode d'action, c'est la création des guerres par idéologie. Le socialiste, le communiste, le capitaliste sont des idéologies qui engendrent des guerres. On le fait également par le désarmement au nom des populations et pour ce faire, on crée des meurtriers qui vont tuer des jeunes dans les écoles ou ailleurs et ensuite on dit, bien, les armes sont dangereuses. Et là, on fait passer des lois pour désarmer la population alors que l'armée du gouvernement s'arme jusqu'aux dents pour s'emparer du peuple. Et c'est ce qui vient sur nos sociétés. Ce sera également la fin des pertes d'identité nationale. Vous avez connu les fusions de municipalités. Eh bien, attendez-vous bientôt, vous verrez la fusion des pays. Ainsi, par exemple, le Canada, le Mexique et les États-Unis formeront bientôt un seul pays qui ne sera pas, qui n'aura pas un nom, mais qui portera un numéro et qui s'appellera la biorégion numéro 1. On le fait également en créant des raretés par des compressions budgétaires et des crashs monétaires. En 1929, le crash monétaire a été créé de toutes pièces par un certain Anglais qui est venu d'Angleterre et qui était un des directeurs de la banque de New York et qui ont créé ce crash financier dans le but de montrer que la puissance monétaire possédait. La création des comités de contrôle, il existe plus de 325 comités de contrôle avec des noms qui sont qualificatifs, des épithètes même sur ces noms que le public croirait que ce sont des sociétés, des communautés qui sont là pour nous aider, mais ils sont là pour briser nos droits, briser nos libertés, éduquer l'homme de telle sorte qu'il perde envie de fonctionner. La création des sociétés secrètes que nous allons voir dans un instant, le Conseil des relations étrangères, le Club de Rome, la Commission trilatérale, les Rose-Croix. Maintenant, voici les sociétés secrètes les plus importantes. Je voudrais que vous prêtiez bien attention parce que ces sociétés secrètes sont là depuis un moment. Certaines sont récentes, mais elles sont actives dans notre société et ce sont elles qui sont en train de changer cette société vers un nouvel ordre mondial. La première société est la Société des Illuminati qui fut créée en 1776 par un homme qui s'appelait Adam Weishaupt. Il était professeur de droit canon à l'Université de Bavière. Il existe environ 3 millions de personnes à travers le monde qui sont membres des Illuminati et leur but, c'est le contrôle total de tous les êtres sur cette planète. La deuxième des sociétés qui fut envahie par les Illuminati dès 1886, c'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. L'origine est ancienne, mais vers 1717, les maçons devinrent des maçons mystiques avec des droits qui n'existaient pas aux citoyens normaux. Ils passèrent de maçons de métier à maçons de religion. La maçonnerie est une religion luciférienne et dans son livre Dogme et morale, Albert Pike nous dit bien que la maçonnerie est une religion qui est vraiment révélée qu'à partir du temps 31e degré. Et l'opposition de la maçonnerie, c'est le christianisme. Leur but, c'est de détruire le christianisme et également d'atteindre le contrôle international. La troisième des sociétés secrètes, c'est les Bilderberger. C'est un nom qui vous semble très d'une autre langue, mais il vient du fait qu'à Bilderberg, en Hollande, en 1954, on se réunit un certain nombre de personnages très importants et on se donna un but. Il y a 100 membres de cette société secrète et la majorité sont de l'OTAN. C'est une organisation sœur du CFR que nous verrons dans un instant. Leur objectif, c'est la régionalisation de l'Europe. Un de ses directeurs était M. Giovanni Angeli, qui était
le président de la compagnie Fiat. La CEE, par exemple, la Communauté économique européenne, est leur produit, est leur bébé. C'est eux qui ont produit cette société et nous verrons comment elle a été prophétisée. Leur premier président fut le prince Bernard des Pays-Bas. Une autre société secrète très importante s'appelle le Council on Foreign Relations, en français le Conseil des Relations étrangères, le fameux CFR, qui a comme société secrète sœur, c'est celle que nous venons de voir il y a un instant, c'est-à-dire les Bilderberger. Elle fut fondée en 1921. Elle est fondée par le même groupe que la Banque fédérale de réserve. Donc, vous voyez encore là les Rothschild, les Rockefeller, les Jacobs, les Schiff, les Morgan, les Kuhn et Loeb. Ce sont tous ces hommes qui ont fondé ces grandes organisations parce qu'ils possèdent d'immenses richesses et ils peuvent former des comités qui ont pour but de changer la mentalité, changer la façon dont les gens pensent et les amener finalement dans un endroit bien précis que nous verrons dans un instant. Alors, ce Conseil des relations étrangères existe depuis 1921. Une autre société secrète importante, c'est la Commission trilatérale. Elle fut fondée en 1973. Son premier membre était un homme qui fut par la suite président des États-Unis, Jimmy Carter. Jimmy Carter se dit bien sûr chrétien, mais Jimmy Carter ne peut être chrétien quand on fait partie des commissions comme celle-ci, dont le but est d'amener les hommes sous le total contrôle. Son fondateur, encore une fois, M. David Rockefeller. Et le but de la Commission trilatérale, c'est d'unir l'Europe, le Japon et puis l'Amérique du Nord. Son fondateur, en réalité, fut M. Zbigniew Brzezinski, qui écrivit un livre qui s'appelait Entre deux âges. M. Rockefeller lut ce livre et il dit, voilà ce qu'il nous faut maintenant pour passer à l'action, pour interférer dans la marche qui est trop lente du gouvernement mondial et puis amener plus vite cette réalisation. Leur objectif, c'est de la gouvernance mondiale. Ensuite, un système monétaire global, un système de taxation globale, c'est-à-dire qu'en plus de vos taxes fédérales, provinciales, municipales, nous serons bientôt taxés d'une taxation mondiale. Et ensuite de ça, ces hommes croient à la vision d'un homme que vous connaissez bien, du nom de Karl Marx. Alors, ce qu'on veut rétablir finalement, c'est cette vieille idéologie du communisme qui n'a pas pris, comme vous le savez peut-être pas, naissance chez les Russes ou chez les Chinois, mais qui a pris naissance dans des bureaux administratifs de Londres et de Washington qui ont été formés dans la pensée des globalistes. Une autre société secrète s'appelle la Société des Skull and Bones de l'Université Yale aux États-Unis. On y en prend 15 de nouveaux membres par année. Et parmi les fantaisies qu'il faut faire, bien, il faut coucher une nuit dans un cercueil et ensuite il faut boire du vin dans un crâne d'homme. Et parmi les hommes qui en font partie, bien, il y a le monsieur Bush, le père, et monsieur Bush, le président, qui fait partie de cette société. Il y a monsieur Harriman et monsieur Clinton qui en faisaient partie. Et on se permet d'utiliser la dialectique hégélienne qui consiste à créer une thèse, une antithèse et ensuite une synthèse, c'est-à-dire qu'on crée une action qui crée une réaction et à partir de sa réaction, on contrôle maintenant par gouvernance psychologique, par les médias, on contrôle la pensée du peuple pour l'amener le peuple tranquillement vers la perte de ses droits. Ce n'est rien de nouveau sous le soleil, mais ce qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, on possède les armes électronique, les armes chimiques pour amener le monde entier à l'état de bétail humain sous la gouvernance de quelques hommes. Et une d'autres des sociétés s'appelle la Société des Rose-Croix. La Société des Rose-Croix est une société théosophique. On ne peut dire une société théologique parce qu'on aime mieux davantage dire théosophique parce que leur théologie, le mot sophos veut dire sagesse, est basé sur la sagesse des hommes plutôt que basé sur la sagesse de Dieu.
Elle origine il y a environ 1350 ans avant Jésus-Christ, sous le pharaon IV qui créa l'école de la sagesse égyptienne. Il n'y a rien dans ceci qui est du passé, c'est très présent chez nous actuellement. Monsieur Benjamin Franklin, par exemple, était un membre de cette société et j'y étais moi-même membre. J'ai été dans des premiers degrés, j'y étais pendant 4 années. Avant de me rendre compte dans quoi on voulait m'embarquer, si l'expression est acceptée. Une autre société secrète s'appelle le Club de Rome, une des sociétés puissantes. C'est le fameux Club de Rome qui, fondé en 1968, le vrai objectif du Club de Rome, encore une fois, l'unification mondiale. Unifier le monde entier et de le diviser en 10 grandes biorégions. Je veux bien revenir ici en vous disant de retenir, s'il vous plaît, que le Club de Rome a divisé la planète entière en 10 biorégions. Ces hommes ont-ils, quelque part dans leur langage, un des symboles de reconnaissance? Effectivement, et je vous présente maintenant ce triangle que vous voyez maintenant, qui est un symbole très important à reconnaître. Il est bien sûr un signe de danger lorsque on est au travail, mais il est un véritable danger spirituel également, parce que ce triangle maintenant va s'insérer, va garder à l'intérieur de lui un autre symbole qui est l'œil qui voit tout. Ce que vous voyez maintenant ici, c'est le même triangle avec un œil qui voit tout. Et cet œil qui voit tout, c'est justement la représentation de ces sociétés qui ont un regard avec tellement de comités qui scrutent ce qui se passe dans notre société afin de pouvoir diriger, canaliser, structurer la psychologie collective ou individuelle, changer la vérité du christianisme pour l'amener lentement vers un socialisme international. Ils voient effectivement tout ce qui se passe et dirige tout ce qui se passe. Peut-être qu'on peut reprendre ce même triangle et le placer dans un style plus artistique et ensuite on peut y mettre quelques mots qui vont donner une signification. C'est celui de la pyramide. Vous avez le triangle à l'intérieur duquel vous y voyez l'œil qui voit tout. Et en dessous, vous avez une pyramide qui a 13 étages, 13 dans le chiffre occulte et le chiffre de la rébellion. Et évidemment, la pyramide représente, bien sûr, la vieille sagesse égyptienne, qui est une sagesse qui est anti-chrétienne, bien sûr. Mais si nous lisions un peu plus haut, Inuit Coptis, cela veut dire annonçant l'arrivée, la nouvelle naissance, de quoi? Alors là, maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous avons institué cette conférence Novus Ordo Seclorum, qui veut dire le nouvel ordre des siècles. Annonçant le nouvel ordre des siècles, après des siècles maintenant d'une sagesse d'homme, sagesse bien d'homme, effectivement, et non pas de Dieu, eh bien, on annoncera que maintenant, les choses vont changer. Et c'est en 1934 que M. Franklin proclamera ce sigle et qu'il deviendra, il créera avec ça le New Deal, qui consistait à centraliser les banques et de telle sorte que le gouvernement des États-Unis devait emprunter aux banques plutôt que d'emprunter à lui-même. Novus Ordo Seclorum prend et commence à prendre plus de forme. Nous allons le voir ici maintenant, d'une autre façon, moins stylisée. Et je voudrais que vous jetiez un coup d'œil plus précis sur ce symbole, parce qu'il est dans votre vie, peut-être pas quotidienne, mais en tous les cas annuelle. Lorsque vous allez vous promener en Floride, dans les hivers froids du Québec, eh bien, ce signe ou ce symbole passe entre vos mains d'une façon régulière. Le voilà, c'est effectivement le signe que vous retrouvez sur le dollar américain. Le dollar américain qui est l'échange mondial, c'est lui qui mène le monde entier, ce dollar américain. Et ce dollar américain est représenté par les sociétés secrètes. Et vous expliquez pourquoi ce sigle est placé sur le dollar américain. Cela prendrait encore une autre 2 heures et je vous invite à vous procurer les cassettes que nous avons sur ce phénomène social qui est pour nous un véritable cancer dans notre société. Je voudrais partager avec vous maintenant un certain nombre de déclarations très importantes qui vont vous donner un aperçu de ce que les hommes qui mènent notre monde pensent, comment ils pensent et savent-ils vraiment ce qui va venir.
certaines déclarations révélatrices de leurs intentions. Ce que vous voyez ici, c'est le pape, et puis voici ce qu'il dira. Vers la fin de cette décennie, c'est-à-dire vers l'an 2000, nous vivrons sous le premier gouvernement mondial à exister dans la Société des Nations. Un gouvernement avec l'autorité absolue de décider toutes les issues de la vie humaine. Et c'est ce que nous voulons vous présenter ce soir, que le gouvernement qui vient maintenant à partir de cet attentat est qui va nous amener vers une troisième guerre mondiale, qui va nous amener, avant cette troisième guerre mondiale, vers la loi martiale. Une loi martiale qui est déjà signée en Floride et qui va monter lentement vers le nord jusqu'au Canada, où les gouvernements vont nous épeurer avec un terrorisme, qu'il soit existant ou pas. Il était là au préalable. Et avec ce terrorisme qu'ils vont tellement placer dans nos cerveaux, dans notre pensée, qui va créer une véritable psychose, ils pourront, ce faisant ou non de la sécurité nationale, ils pourront nous faire perdre nos droits et nos libertés. Ce document est tiré d'un livre qui s'appelle « The Keys of this Blood », écrit par Malachi Martin, qui était le conseiller des trois derniers papes. Le deuxième, c'est « Aujourd'hui, un nouvel ordre mondial est à naître. Un monde très différent de celui que nous avons connu. Ce que vous reconnaissez sur cet homme, c'est George Bush Senior, le père, qui déclara le 11 septembre 1990 que la guerre du Golfe était l'occasion unique pour instaurer le nouvel ordre mondial. Je voudrais que vous sachiez que ça a été fait le 11 septembre 1990. 11 ans plus tard, exactement au jour, le 11 septembre, les deux tours qui représentent l'orgueil et la fierté du monde américain étaient détruites. M. Bush, son fils, déclarera maintenant « Les choses ne seront plus jamais comme elles ont été. » Et effectivement, nous ne voulons pas apporter de la crainte dans notre société, nous voulons vous avertir. Les choses ne seront plus jamais comme elles ont été. Ceci est un plan de longue échéance et c'est ce que nous vous présenterons maintenant. Nous sommes reconnaissants au New York Times, Washington Post Magazine et plusieurs autres dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant presque 40 ans. Il aurait été impossible pour nous de développer nos plans pour le monde si nous avions été soumis à la lumière et à la publicité durant ces années. Ces déclarations sont faites par M. David Rockefeller dans une réunion secrète des Bilderberger en Allemagne au milieu des années 92. Que fomentent ces hommes pour que leur réunion soit secrète et qu'ils disent que nous vivons dans un monde démocratique? Quatrièmement, l'âge des nations doit prendre fin. Les souverainetés des gouvernements doivent être amenées sous un seul gouvernement auquel ils doivent abandonner leurs armes. Décret des Nations Unies, 1992. Maintenant, je voudrais partager avec vous certains des documents importants. La Charte de la démocratie globale. Il faut peser les mots. Une charte de la démocratie globale. Et à partir de maintenant, je vais vous demander de vraiment analyser si vous trouvez encore quelque part la vraie signification du mot démocratie. Premièrement, consolidation de toutes les agences internationales sur l'autorité directe des Nations Unies. Voilà ce qu'ils ont préparé pour vous et pour moi. Nous nous leverons un bon matin et il y aura une loi martiale et on imposera toutes les lois du gouvernement mondial. Il y aura une consolidation de toutes les agences internationales sur l'autorité d'un seul gouvernement qu'on appelle les Nations Unies. Deuxièmement, contrôle par les Nations Unies sur toutes les institutions financières et toutes les corporations transnationales. Déjà, dans nos régions, on voit que les caisses populaires ou les banques se centralisent ailleurs dans une autre ville et cela nous apporte déjà des problèmes. Imaginez que toutes les banques maintenant sont sous la juridiction d'un seul et même contrôle. Où sera le contact personnel? Où sera la possibilité de fonctionner? Mes amis, tout cela est voulu, pensé, c'est parce que nous n'en allons pas vers un monde meilleur.
Je n'aime pas vous dire ces choses. Nous allons vers un monde qui est de grande signification apocalyptique. Mais nous avons une bonne nouvelle. S'il vous plaît, ne partez pas maintenant. Si je n'avais pas une bonne nouvelle, je ne vous annoncerais pas une mauvaise nouvelle. Troisièmement, une source indépendante de revenus pour les Nations Unies. Ces messieurs doivent vivre avec un grand standing de vie. Ils ont besoin de vos sous, de vos impôts. Alors, ils ont besoin d'un revenu supplémentaire. Ils nous imposeront ce que nous pourrons placer de côté dans nos poches pour prendre une vacance. De temps en temps, il faut se reposer. Création d'une armée active des Nations Unies. La quatrième bête de Daniel, j'ai placé en dessous ce verset biblique afin que vous compreniez que ce verset correspond exactement à ce décret des Nations Unies. Création d'une armée active des Nations Unies. Attendons-nous à ce que nos armées locales disparaissent pour être remplacées par l'armée des Nations Unies. La quatrième bête, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 600 ans avant Jésus. La quatrième bête, on parle de ce qui allait venir sur la planète, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Il la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Je vous ai montré il y a quelques minutes comment la planète entière avait été divisée en 10 biorégions par le Club de Rome. Et alors voilà maintenant qu'on parle de 10 cornes et on parle de 10 rois qui vont régner sur ces biorégions. Cinquièmement, enregistrement des armes à feu et réduction des armées nationales. Ce que vous voyez maintenant devant vous, ce sont les phases de désarmement ou du plan de désarmement. Le premier stage, c'était il y a un certain nombre de décades, au moment où les États-Unis et la Russie étaient des forces égales. Et vous voyez apparaître à votre droite la machine de paix. Avec un petit casse tout petit, c'est parce qu'ils ont peu de pouvoir. Mais dans la deuxième phase, il fallait réduire l'armée des États-Unis et l'armée russe. Et c'est pour ça qu'en Russie, mais évidemment, vous êtes conscient, la télévision vous a amené ces informations que l'armée russe est de loin être moins forte qu'elle était. Elle a été démantelée, ainsi qu'aux États-Unis qui possédaient 1 200 000 soldats. M. Bill Clinton a réduit cette armée à 400 000 soldats. Mais par contre, ces soldats maintenant travaillent pour la deuxième phase des Nations Unies qui devient de plus en plus forte. Et le stage final où nous en sommes maintenant, c'est une sécurité des forces qui appartiennent, qui est à peu près défaitiste ou défaite, et la sécurité, que ce soit en Russie ou bien aux États-Unis, pour une armée entièrement forte qui a tout le contrôle, l'armée des Nations Unies, les casques bleus qui deviendront des casques noirs. Nous pouvons avoir sur le document qui est suivant la loi publique 87-297 qui a été proclamée en 1961 par John F. Kennedy. Et cette loi sur les gun control and the new world order, ceci veut dire le contrôle des armes et le nouvel ordre mondial, que cette loi remettait aux Nations Unies, les forces armées américaines. Et cela, à l'insu du peuple, les États-Unis ne possèdent plus d'armées qui leur appartiennent. Elles appartiennent désormais au gouvernement mondial. Et nous avons en dessous la loi publique 87-297 avec les déclarations qui viennent renforcer ce que je vous dis. Maintenant, ici encore une fois, vous avez ce document qui s'appelle Freedom from War, ça veut dire libre de toute guerre. Et je vous dirai un peu plus tard pourquoi nous serons libres de toute guerre. Les États-Unis, le programme des États-Unis et le désarmement dans un monde de paix. Eh bien, imaginez qu'on propose un monde de paix et que ce monde de paix ne sera valable que lorsque nous aurons perdu nos droits et nos libertés. Et vous avez là les documents officiels qui nous montrent, il est en anglais bien sûr, le démantèlement de toute force et de toute force nationale. Et finalement, la totale soumission des individus et des nations au traité des droits humains fabriqué par les Nations Unies. Ce sont eux qui vont décider ce que sont des droits humains. Ils vont les décider en fonction des paramètres qu'eux vont décider.
Et il y aura création d'une cour criminelle internationale et d'une cour de justice internationale. Alors, si vous comprenez ce que cela représente, cela veut dire qu'on pourra créer des normes, on pourra créer des justifications et on pourra amener des criminels, de toute personne qui serait-elle honnête, si on décide qu'elle est criminelle, nous n'aurons aucun droit de regard puisque c'est international. Et je vais vous montrer en cours de route comment est-ce qu'on amènera les chrétiens au nom de la démocratie, au nom d'une seule religion, on amènera les chrétiens en cour. Et finalement, l'établissement d'une cour internationale sur l'environnement. Alors, ceci est une justification pour désindustrialiser notre monde industriel. Au nom de l'environnement, au nom de la pollution, on ne permettra plus à une civilisation comme la nôtre, par exemple en Amérique du Nord, d'être très industrialisée. On dira, eh bien, vous ne respectez pas l'environnement, vous devez fermer vos usines, et ce qui fera des milliers, des centaines de milliers de chômeurs, parce que nous devons sauver la planète Terre. Neuvièmement, la création d'une équipe d'action d'urgence de haut niveau pour réglementer les émissions de carbone sur une base d'égalité per capita. Alors, imaginez le nombre de personnes qui vivent dans une ville comme São Paulo, en Amérique du Sud, où il y a 14 millions d'individus, New York, Paris, Mexico. Eh bien, si on prend la superficie et puis on le divise par le nombre de personnes et puis on prend au prorata et puis on l'applique à Alma, vous avez une idée que nous n'aurons pas beaucoup de gasoline pour aller nous promener les dimanches après-midi parce que l'émission du carbone sera trop forte. Vous aurez à peine de quoi vous rendre chez votre voisin. Et c'est comme ça qu'on veut amener une population au total contrôle. Et ensuite de cela, bien, on fera une autre loi qui s'appelle la cancellation complète de toute dette des nations pauvres. Partage équitable des ressources globales sous le contrôle des Nations unies. Cela veut dire que si nous comparons, par exemple, le nombre de personnes qui possèdent un compte en banque dans cette ville, qui possède 26 000 personnes, et si vous comparez leur compte de banque avec une ville comme le Mexique, eh bien, vous devrez partager vos biens avec les Mexicains. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas beaucoup plus que le montant initial pour ouvrir un compte de banque, si vous voulez le partager avec les millions de personnes qui sont dans un espace restreint. Autrement dit, ce qu'on s'apprête à faire, c'est de vous faire payer la dette des nations pauvres. C'est ça l'équité pour eux. Il y a d'autres documents qui viennent appuyer ces faits, évidemment. Et c'est un retour vers le socialisme et le communisme international. C'est ce qu'on propose de faire. C'est le nouvel ordre mondial. Il est maintenant connu sur la place publique par des milliers, des centaines de milliers d'individus. Je ne suis certes pas le premier à vous amener ces informations. On veut maintenant un seul gouvernement mondial avec un seul système monétaire et une seule Église unifiée sous leur direction. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 13, entre les versets 17-18, « Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici celui qui a de l'intelligence. Compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, 666. Ce signe sera placé dans la main ou sur le front. Vous êtes libre, vous aurez le choix. La main ou le front. Vive la démocratie. » Et cette puce est déjà existante et elle renferme un système électronique qui lui permet de contacter, d'envoyer des ondes jusqu'au satellite et on peut vous récupérer n'importe où sur la planète Terre et on peut ainsi exercer un contrôle monétaire sur vous.
Deuxièmement, la destruction de toute identité et fierté nationale. Êtes-vous fier d'être Québécois? Eh bien, ça achève, parce que le Québec sera inclus au Canada ou aux États-Unis, et les États-Unis, le Canada et le Mexique ne formeront plus qu'une seule entité qui s'appellera la biorégion numéro un. Et ensuite, la destruction des religions, spécialement du christianisme. Le document que vous avez en dessous, Freedom from Religious Persecution, l'acte de 1998, c'est-à-dire la liberté de la persécution religieuse, et on a déjà préparé des persécutions. Si vous croyez, par exemple, qu'il y a un seul Dieu, et si vous croyez que Jésus est le seul moyen de salut, comme moi je le crois, et vous feriez mieux de le croire, eh bien, à ce moment-là, vous allez brimer la société, vous allez brimer les gens à chaque côté de vous, et cela va donner des naissances à des conflits qui peuvent apporter des guerres. Alors, au nom de la paix, vous devrez abandonner ce qu'il y a de plus précieux dans votre foi chrétienne, c'est-à-dire de croire qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Quatorzièmement, le contrôle des individus par des contrôles, par des techniques suivantes. Le contrôle de l'esprit par de la tectotronique. Il existe actuellement des machines qui émettent des ondes, et ces ondes, lorsqu'elles touchent le cerveau, eh bien, elles vous font perdre votre jugement, votre volonté. Elles neutralisent à l'intérieur de vous les facultés de la volonté, de la mémoire, du jugement. Et elles contrôleront ainsi des millions d'individus. Et ils pourront envoyer des ondes qui leur permettront ce contrôle, même aller jusqu'au suicide ou à la destruction en masse des individus. Et nous verrons cela dans un instant. Dans la parole de Dieu, dont nous allons voir dans la prophétie, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, il est marqué « L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. » Alors, c'est avec de la technologie, c'est pour cela que la Bible nous dit « Ce sont de faux miracles. » Et également la création de robots humains et le règne de la terreur par cette technologie qui peut être envoyée par satellite et qui peut être envoyée également uniquement par des appareils qu'on place sur des bâtisses, des immeubles et qui émettent ces ondes. On croit que c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Ce sont les Russes qui ont été les premiers à découvrir ces fameuses radiations. Ensuite, on légalisera la drogue et la pornographie. La légalisation de la drogue et de la pornographie, de telle sorte que notre société deviendra sans dessous. L'homme deviendra un peu fou, l'homme deviendra sans stabilité, il perdra le contrôle de ses moyens, et de cette façon-là, on pourra facilement l'amener en prison, l'enchaîner et le tuer s'il le faut. Il faut qu'il y ait des justifications pour amener les hommes dans des prisons souterraines qui existent déjà aux États-Unis. Tant qu'à la pornographie, vous n'avez qu'à ouvrir votre appareil téléviseur et elle est déjà sur la place publique. Et 16e, et non le moindre, la dépopulation des grandes villes. À l'image du régime de Pol Pot au Cambodge, des plans du régime de Pol Pot ont été structurés par des fondations du Club de Rome aux États-Unis. Autrement dit, ce qui est arrivé ailleurs, dans des pays que nous croyons qui ont toujours été en guerre, eh bien, il y avait intervention d'un monde, le monde de l'ombre, les puissances de l'ombre, afin d'amener ces millions de personnes en s'entretuer. J'espère que cette image qui est devant de vos yeux maintenant devrait être assez éloquente pour que je vous soustraie à toute forme de commentaire. 17e, suppression du développement scientifique et suppression de l'industrialisation et de l'énergie électrique nucléaire. Pourquoi? Parce que les hommes ont atteint une trop grande indépendance. Les hommes sont trop intelligents. Ils sont capables de survivre. Et maintenant, il faut leur rendre la vie difficile. Pour la rendre difficile, il faut supprimer les développements scientifiques et industriels, spécialement pour l'énergie nucléaire, afin que on n'est plus ce confort dans lequel nous vivons, sauf pour les ordinateurs et les industries de services.
Les industries qui demeureront seraient transportées au Mexique où la main-d'œuvre est à très bon marché. Ce que vous voyez sur cette image, c'est un exemple que je vous donne, c'est un moteur à énergie libre, c'est-à-dire qu'on place cette prise de courant et on fait partir cet engin que vous voyez là, je l'ai vu moi-même fonctionner, et lorsque cet engin est en fonction, vous pouvez débrancher et elle fonctionne indéfiniment par d'un autre type d'énergie que l'électricité ou que le pétrole. 18e, la création des guerres limitées et des moyens de famine et maladies dans les pays du tiers-monde. On envisage la mort de 3 milliards d'hommes considérés comme des mangeurs inutiles. Monsieur Cyrus Vance, du comité des 300, que nous verrons bientôt, qui reçoit le mandat d'élaborer des plans pour un tel génocide. C'est curieux, puisque la parole de Dieu nous dit bien que la moitié de l'humanité disparaîtront dans une période qu'on appelle la fin des temps. 19e, l'affaiblissement des fibres morales de la nation et la démoralisation des travailleurs par la création du chômage. Comment est-ce qu'on peut créer du chômage? Bien, vous voyez simplement les tours qui sont au sol maintenant, les tours de New York. Avec ces tours de New York, regardez les milliers de chômeurs qui sont maintenant à la recherche d'un travail. Vous comprenez dès lors le nombre de suicides qui est à l'horizon, les foyers brisés, vous comprenez les meurtres qui sont là, et ceci entraîne comme un jeu de cartes, un jeu de dominos, la création sans fin de chômage. Ils avaient visé juste, ils savaient ce qu'ils faisaient, le tout avait été bien branché. Et finalement, il faudra empêcher la stabilisation des décisions permanentes des individus par le moyen des crises successives et par la gérance des ce qu'on appelle des crises ordo ab cao. Cela veut dire, par exemple, des compressions budgétaires subites. Les gouvernements établissent des plans, les individus s'engagent dans ces plans, et du jour au lendemain, on retire non seulement la règle du jeu, mais on retire les subventions, de telle sorte que des hommes ont investi leur temps, leur argent, et puis subitement, il n'y a plus rien qui fonctionne. On déstabilise ainsi une société. Par exemple, un grand nombre de personnes dans notre région gagnent leur vie avec la forêt. Eh bien, si on veut, on augmente, on double le coût du pétrole, et puis ces individus sont déstabilisés, ils ne peuvent plus fonctionner avec profit. Alors voilà toute une population qui est en manque à gagner, et ce manque à gagner en entraîne comme un jeu de cartes, puisque nous sommes tous interdépendants les uns les autres. Ils ont cette capacité de le faire parce qu'ils possèdent les médias d'information. On n'entre pas dans les médias d'information avec des choses, comme je vous dis ce soir, facilement. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que les médias d'information contrôlent la nouvelle. N'allez pas croire que lorsque vous écoutez Radio-Canada, que vous avez la vraie nouvelle, vous avez celle qu'on veut bien qu'on entende afin qu'on puisse mieux nous contrôler de cette façon. Le numéro 21, l'introduction de nouveaux cultes et l'encouragement des groupes de musique rock tels que Mike Jagger, des Rolling Stones et d'autres groupes soutenus par l'industriel Tavistock qui poussa au sommet les Beatles. Vous avez déjà vu ces jeunes en délire, des foules en délire, la perte de la morale qui se fait lorsque ces jeunes se mettent à chanter, se mettent à jouer cette musique avec un rythme continu. Eh bien, derrière ces jeunes, il y avait les commissionnaires de l'Institut Tavistock qui ont poussé, qui ont aidé ces jeunes à arriver au sommet et qui ont créé la folie du vedettariat. Nos jeunes veulent tous devenir des vedettes. Ce qui leur importe, c'est d'être à la télévision. Ils veulent tous jouer l'artiste qui gagne tout parce que c'est devenu le monde des idoles. Étant donné qu'on ne croit plus en Dieu, on a sorti de nos écoles la prière, on a sorti la Bible. Quand vous allez sur une Bible, avec une Bible vers nos écoles pour enseigner, on vous regarde, on pense que vous êtes un témoin de Jéhovah. On pense nécessairement que vous êtes d'une secte quelconque.
Et c'est de cette façon-là qu'on criera God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Mais en même temps qu'on dit que Dieu bénisse l'Amérique, on s'injecte des infiltrations de drogue dans le sang. Et d'un autre œil, on regarde la pornographie. On a comme idole les plus grands sportifs, les plus grands artistes. Et on ne sait pas qui est ce Dieu à qui on demande la bénédiction. Pourquoi? Pour la bonne et unique raison que des hommes sans Dieu, qui ont la puissance, le pouvoir, qui n'ont aucun scrupule, se sont emparés de nos richesses par le truchement du système bancaire et ont dévié tout ce qui est connu comme étant vérité pour l'amener dans une vérité sociale, une vérité communiste et socialiste qui est à nos portes, qui nous sera imposée par l'intermédiaire d'un chaos, comme vous en avez eu un, il y en aura d'autres, et ensuite une loi martiale. Mes amis, je veux maintenant arrêter cette première phase. Je voudrais que nous prenions une pause et après... Nous avons vu il y a un instant que les groupes rockers, les groupes de musique, ont reçu parfois des subventions, des encouragements, ont été dirigés dans la formation des paroles qui composent leur musique pour dégrader le moral, la morale de la jeunesse, les amener éventuellement vers la drogue, vers le suicide. Et ces groupes, évidemment, trouvent facilement à pénétrer les médias d'information, alors que ce n'est pas facile pour des groupes de chanteurs chrétiens qui apportent un message chrétien de le faire. Et ceci est tellement frappant que c'est là un des signes qui fait que nous sommes capables de voir que la société est contrôlée par des personnages qui sont dans l'ombre et dont le but principal est la destruction non seulement du christianisme, mais la destruction également de l'humanité. Nous comprendrons en cours de route pourquoi la destruction de l'humanité fait partie de ces hommes qui appartiennent à une religion luciférienne qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale ou encore qu'on appelle également les Illuminati. Ces personnages ont institué évidemment des signes, des symboles afin qu'on se reconnaisse ou encore qu'on montre que on fait partie d'un groupe et puis en se conformant, on est facilement accepté dans cette petite société. Et ces groupes sont là depuis très longtemps, depuis de longues années, par des symboles. Mais si, par exemple, lorsque deux francs-maçons se rencontrent, ils ont une façon de se serrer la main qui montre qu'ils font partie du groupe. Il y a également cette nouvelle façon de diriger les regards avec un signe qui laisse entrevoir aux auditeurs que nous sommes effectivement membres du groupe. Alors, ces jeunes présentent ce symbole avec leurs deux doigts qui symbolisent les cornes du Baphomet ou du Bélier, ou si vous aimez mieux, les cornes de Lucifer lui-même. Et ces signes, ces symboles, on les retrouve dans la vieille religion de l'hindouisme que nous voyons sur la prochaine image. Mais cette image nous démontre que l'Occident a été évangélisé, non pas l'Évangile chrétien, par l'Orient, nous laisse voir qu'ils ont, avec les argents, avec les équipements nécessaires, les influences politiques, pénétré également depuis longtemps les milieux politiques. Ainsi, la prochaine image vous permettra de voir de quel bois se chauffent nos présidents, de quelle nourriture solide ils nourrissent les veines de leur cœur. Ce que vous voyez ici, c'est le président Bush, bien sûr, qui est considéré comme un chrétien aux États-Unis. Nous croyons, nous, que tout ceci est une façade. On ne peut à la fois être membre de la société maçonnique, illuminatique, des groupes des Bilderberger, ensuite du Skull and Bone, et en même temps se dire chrétien. Alors, vous le voyez ici avec son symbole. Et ceci ne s'adresse pas au public lorsqu'il fait ce symbole. Ceci s'adresse au groupe d'individus qui sont membres de ces organisations. Il leur fait signe que c'est au nom de l'organisation qu'il accomplit ces choses. Et évidemment, ce symbole ou cette façon de se saluer ou de signaler à cette société fermée, globaliste, cette élite, ne vient pas d'entrer en fonction. Et préalablement à M. Bush, il y avait M. Clinton, qui, bien sûr, a gradué lui aussi de Yale University, était membre de
du Skull and Bone, ainsi que son épouse, et ils sont membres de ces sociétés qui ont pour but de contrôler le monde entier. Et c'est ainsi que M. Clinton, par exemple, a vendu, ou excusez-moi, quelle erreur, a donné à la Chine les armes les plus secrètes qui ont été découvertes aux États-Unis, de telle sorte qu'un des généraux de l'armée américaine déclarera dernièrement que nous devons nous attendre à ce que la Chine vienne contre nous avec les armes que nous avons découvertes et que nous leur avons données. Et c'est un fait, non seulement dans les livres ou dans une parole quelconque d'un général des armées américaines, mais c'est un fait également dans les prophéties. 22e, répandre les cultes religieux tels que la fraternité islamique. Vous savez qu'au Québec, il y a de plus en plus de Québécois qui s'en vont vers l'islam. Vous leur demandez pourquoi, eh bien, ils sont à la recherche d'une croyance quelconque. On n'a jamais exploré vraiment ce qu'était le christianisme pour la bonne raison qu'on voit le christianisme à travers une religion, qu'elle soit officielle ou moins officielle. Le christianisme n'a rien à voir avec des religions. La religion est une organisation d'hommes. Le christianisme est une relation personnelle avec Christ en tant que Dieu incarné. Ensuite, on répand les cultes du fondamentalisme islamique, les sectes, créer d'autres types d'expériences, comme l'expérience de Jim Jones. Vous connaissez ce soi-disant pasteur, qui est un faux pasteur, qui a entraîné avec lui la mort de 800 personnes. Eh bien, cette philosophie ou théosophie ou ce mouvement s'est répété et répété depuis Jim Jones. Il fut répété avec ces 32 personnes qui sont tuées en Californie il y a 2 ans, lorsque la planète Halley est entrée dans son cycle. Il y a eu d'autres religions, d'autres sectes qui croient qu'il faut se suicider pour aller vers des meilleurs cieux, parce que beaucoup de chanteurs américains leur disent suicide-toi, va au suicide, que ce soit fait par une technologie de disque d'inversement ou que ce soit fait par des mots réels, nos jeunes se suicident. D'où viennent ces pensées? Ils viennent du fait qu'ils sont introduits dans des chants, dans des chansons qui viennent des chanteurs réguliers de la radio et de la télévision, avec des oreilles qui sont constamment à l'écoute chez nos jeunes, parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est un principe d'éducation, ce n'est pas un principe chrétien. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire on a confiance dans les choses qu'on entend. Mais la parole de Dieu nous dit bien que la foi chrétienne, elle, vient de la parole de Dieu. Et les jeunes ne connaissent plus Jésus-Christ, ne savent plus qui il est. Ils connaissent davantage Al Capone qu'ils connaissent Jésus-Christ. Et on a sorti la prière, on a sorti la Bible de nos écoles, de telle sorte que nos professeurs, dans des écoles dites catholiques, chrétiennes, de la chrétienté, nos professeurs enseignent l'évolution plutôt que le créationnisme. Et nos jeunes, pour passer des examens, sont obligés d'apprendre, sont obligés de croire à ces théories ou ces doctrines qui n'ont aucun fondement. Aujourd'hui, nous avons des scientifiques chrétiens qui ont démontré sans l'ombre d'un doute que l'évolution était impossible, elle était absurde. Et puis, des panels ont été faits aux États-Unis, partout, et des gains sans précédent se sont faits sur ces débats de panels. Il est à noter que le feu, l'ayatollah Khomeini, que vous avez connu, certains d'entre vous se souviennent de ce personnage et qui était le chef religieux de l'Iran. Eh bien, il était, tombez pas sur le dos, une création des services britanniques militaires MI6. Rien ne se fait au hasard. Ils sont partout et ce sont eux qui paient, qui entraînent, qui dirigent, qui canalisent la pensée et qui ont des plans. Il y a des milliers d'hommes qui travaillent pour ces organisations. Ce sont des think tanks, ce sont des penseurs et qui vont non seulement collaborer, mais qui vont créer, structurer des énergies, qu'elles soient intellectuelles, émotives, qu'elles soient collectives, de telle sorte que la destruction soit amenée pour des fins de guerre ou autres. Ensuite, 23, il faut exporter
les idées de libération religieuse autour du monde afin de miner toute forme de religion existante, et spécialement le christianisme. C'est curieux comment on s'en prend toujours au christianisme. Il existe aux États-Unis une organisation qui s'appelle les Jesus Seminars. Cette organisation est faite de théologiens de différents groupes religieux. Et les Jesus Seminars, après, à chaque 2 ans, émettent des documents ou des résultats de leurs études. Et finalement, si on se fie aux Jesus Seminars, eh bien, 70% de la Bible est fausse. Et Jésus n'est pas ressuscité. Et Jésus n'est pas né d'une conception virginale par l'Esprit-Saint. Et ces personnes s'appellent les Jesus Seminars. Alors, quand on fait une investigation de ces personnages, on apprend qu'ils ont été programmés, payés, identifiés par les organisations secrètes dont je vous ai parlé. Et leur but, c'est la destruction morale, le fibre moral de notre société. Ceci a commencé avec la théologie de libération jésuite. Et cette théologie de libération jésuite a fait tomber la famille régnante des Somoza au Nicaragua. Elle a détruit le Salvador par une guerre qui a duré 25 ans, le Costa Rica et le Honduras. Alors, je ne pense pas qu'on a dû utiliser tellement des vérités bibliques pour arriver à une telle destruction. Il a fallu une parfaite déformation, et c'est ainsi qu'un public qui n'a pas de critères se laisse croire parce que des personnages dits officiels, spécialement universitaires, auraient décrété, auraient découvert que... Parce que le public, en général, est très informé, très impressionné par le mot « université » et des grands diplômes. Il fallait ensuite engendrer la chute de l'économie mondiale et le chaos politique total. Engendrer la chute de l'économie mondiale est chose facile pour les personnages qui contrôlent l'économie mondiale. Il faut que vous sachiez qu'à tous les jeudis, dans un endroit en Angleterre qu'on appelle de City, se réunissent 3 ou 4 personnages qui décident du taux de l'once d'or. Ils le décident arbitrairement parce qu'ils peuvent ainsi faire des transferts et obtenir des immenses intérêts sur des argents qu'on échange, qui perdent leur valeur. On peut acheter des terrains. Ici, par exemple, le dollar américain vaut 40 % plus que le dollar canadien. Vous devez comprendre qu'il est facile aux Américains de venir nous acheter. Et quand on voudra faire le contraire, on montrera le dollar canadien, on baissera le dollar mexicain ou autre, et puis on pourra ainsi de suite s'emparer à volonté d'une stratégie que le peuple en général ignore. Et puis, bien, durant ce temps-là, on travaille, on sue, on se casse la tête, on s'angoisse, on en fait des dépressions pour essayer de joindre les deux bouts aux fins de semaine, alors que l'argent est créé à partir de rien, sujet sur lequel je ne veux pas toucher ce soir, mais il me vient souvent à l'esprit parce que c'est une des plus grandes fraudes avec l'institutionnalisation du christianisme dans notre société. Engendrer la chute de l'économie et le chaos politique total, ceci a été programmé déjà il y a un siècle, et puis la Première Guerre mondiale devait mettre en valeur, devait se débarrasser des tsars de Russie. La Deuxième Guerre mondiale avait un autre but, entre le communisme et le capitalisme. Et la Troisième Guerre mondiale qui vient, qui avait été programmée depuis déjà plusieurs décades, était de créer des factions, des conflits entre le monde arabe et le monde d'Israël. Alors, vous voyez que tout s'accomplit sur nos yeux et le tout va maintenant se continuer puisque nous verrons dans un instant comment tout ceci a été prophétisé. Les prophéties n'ont jamais manqué leur coup et se réalisent à la lettre. 25, prendre contrôle de toutes les politiques domestiques et étrangères des États-Unis. Prendre contrôle des politiques domestiques et étrangères des États-Unis. Ceci est fait par le Conseil des relations étrangères, Foreign Affairs, vous avez ici leur journal officiel. Et de cette façon, on va désindustrialiser les États-Unis aux dépens des pays qui sont dépendants, des pays qui gagnent 25 sous, 50 sous de l'heure. Et puis,
On va appauvrir le peuple américain. Déjà, des organismes y travaillent depuis 1950, des organismes que les contrôleurs administratifs d'un pays ne peuvent contrôler parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. Les comptables du Canada n'ont pas le droit d'aller contrôler la Banque du Canada. Tout se passe en secret, c'est complètement fermé. Pourtant, on ne se gêne pas quand on va vous voir chez vous. On rouvre les murs s'il le faut pour aller voir si vous cachez de l'argent quelque part. Mais eux, les contrôleurs officiels n'ont pas le droit d'aller voir ce qui se passe dans leurs livres. Le peuple a profondément été endormi et le peuple continue à le faire, mais l'heure est arrivée. Dans Luc 12, le verset 2, il dit que tout ce qui est caché sera révélé. Et nous croyons qu'à plein feu, que nous faisons partie des organisations qui révèlent ces choses. Numéro 26, pénétrer et soumettre tous les gouvernements par la destruction des souverainetés. Ceci se fera par les crédits bancaires. Les nations qui ne voudront pas se soumettre, par exemple, à la réduction ou la destruction des armées pour l'armée des Nations Unies n'auront pas droit aux crédits qui sont offerts par la Banque mondiale. Ce faisant, deviendront pauvres et ne pourront participer à la distribution des richesses. Apocalypse 13, verset 4 nous dit ceci. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? La bête dont il est question, c'est d'abord un système qui est établi maintenant. Bientôt, la bête se personnalisera. On le trouve dans Daniel 7, le verset 8. Et cette bête deviendra un seul homme qui régnera sur un système qui est déjà existant. Et personne ne pourra combattre la bête pour l'unique raison que les pays ne posséderont plus d'armes, ne posséderont plus d'armées. Et ce sera une seule et unique armée qui appartiendra aux Nations Unies. Qui pourra alors se défendre puisque nous n'avons plus d'armée? Qui pourra alors devenir financièrement indépendant puisque bientôt on planifie un crash financier international et qu'on planifie également de se débarrasser de l'argent liquide que vous avez dans vos poches et qui vous permet une certaine liberté pour le remplacer par la technologie d'une puce dans votre main qui effectuera des transactions directes par une machine au laser dans des caisses ou les banques où vous irez. Ceci est déjà accompli, la technologie est faite. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une prédiction que je vous fais, tout cela existe déjà. 27e, organiser des appareils de terrorisme mondial et négocier avec eux. Organiser les appareils de terrorisme et ensuite négocier avec eux. Souvenez-vous par exemple les Brigades Rouges qui ont kidnappé le premier ministre italien Aldo Moro et le général Dozier et la façon dont Henry Kissinger les a traités. Il faut se souvenir qu'Aldo Moro était à l'époque premier ministre de l'Italie et qu'il avait conçu un plan pour réduire considérablement le chômage, amener l'expansion économique de son pays, amener de la richesse dans son pays. Et lorsqu'il vint aux États-Unis dans un voyage qu'on lui avait demandé de faire pour des soi-disant relations internationales, cet homme que vous voyez qui s'appelle M. Henry Kissinger pénétra dans sa chambre et en présence de sa femme lui dira de changer ses plans tant qu'à l'extension, l'expansion économique de son pays, sinon ça pourrait lui coûter cher. M. Aldo Moro était habitué avec la mafia, il a connu les pressions, il ne s'est pas soumis et M. Aldo Moro a été tué par les Brigades Rouges. C'est de cette façon qu'on résout les problèmes. 28, prendre le contrôle de l'éducation en Amérique avec l'intention de la détruire et la remplacer avec l'endoctrinement du comité des 300. Le comité des 300 est le plus fort, le plus important, le plus dangereux des organismes qui existent au monde actuellement. Le comité des 300 qui prône la politique économique de Mathus. Qu'est-ce que c'est que cette politique? C'est la suivante. Ils maintiennent que le progrès est lié à la capacité de la planète Terre à nourrir un certain nombre de personnes, d'où la limitation des populations. Et c'est ainsi que M. Ted Turner, que vous connaissez bien, président, qui était propriétaire de CNN, déclarera lui-même aux Nations Unies qu'il faut amener à mort un minimum de 3 milliards d'individus. Il proposera davantage et dira que notre Terre s'en tirerait mieux si on pouvait amener la population mondiale à 500 millions d'individus.
Ceci ne sont pas des paroles qui sont la conversation de deux amis qui, après avoir pris un peu de boisson, ce sont des propos qui se font dans les salons décisionnels de notre monde. J'aimerais maintenant vous présenter le tableau suivant qui consiste à vous expliquer ce fameux comité des 300, le comité le plus puissant au monde. Ce que vous voyez en haut, c'est 300 institutions internationales qui appartiennent à quelques hommes qui contrôlent le tout par ce que je vous ai expliqué, premièrement, la richesse matérielle, la richesse, le contrôle donc sur l'argent, la capacité de la créer, l'argent, à partir de rien, avec ou sans collatéralité. Ce comité des 300 a une influence directe sur les Nations Unies. Ce sont eux qui prennent les grandes décisions. Les Nations Unies sont soumises à leurs influences. Et ensuite, ils gardent en main le contrôle sur le sionisme, le communisme, le fabianisme, le libéralisme, le socialisme et les partis de droite. Le comité des 300 exerce une influence directe sur les rois de l'Arabie saoudite, sur le pétrole. Ils exercent une puissance et une décision sur l'intelligence britannique, c'est-à-dire le système de renseignement britannique. Le système de renseignement britannique exerce son influence sur la CIA, sur le Mossad, qui est la police secrète israélienne, sur Interpol, et Interpol a une influence directe sur le commerce de la drogue. Le commerce de la drogue, maintenant, qui a débuté premièrement avec la compagnie de l'Est des Indes, la compagnie britannique de l'Est des Indes, qui au milieu du siècle dernier a été conçue par l'Angleterre et qui consistait à nourrir régulièrement de drogue, d'opium, les coolies chinois. Et ils ont réussi jusqu'à amener jusqu'à 15 millions de ces personnes qui dépensaient toute leur salaire hebdomadaire à prendre de l'opium, qui dépendait de l'opium. Et c'est ainsi que la famille royale d'Angleterre s'est entièrement enrichie et qui possède aujourd'hui des millions et des centaines de millions et des milliards à partir de l'argent qu'on a provoqué par la distribution de la drogue dans une société qui ne prenait pas de drogue, qu'on appelle les Chinois, l'opium. Quand on pense aux Chinois, on dit toujours c'est une société qui prend de la drogue. Vous savez que les Chinois ne prenaient pas de drogue avant l'arrivée de la compagnie britannique des Indes de l'Est. Et c'est ainsi qu'ils se sont enrichis. Et le passage de la drogue se fait encore, même aux États-Unis. Le passage de la drogue se fait par l'armée américaine qui entre de ces pays et qui est distribuée à de la mafia, à de très haute mafia. Et le but de cela, c'est de déstabiliser la société, de faire de l'argent blanche pour non seulement le contrôle, mais des recherches qu'ils font dans des laboratoires souterrains avec des hommes qu'ils ont recueillis à partir de l'ancienne Allemagne, des hommes se sont cachés après la guerre, qui ont été retrouvés par des comités spéciaux afin de les ramener pour faire de la recherche sur la génétique et de créer des robots humains. Le tout est déjà complété. Quand on vous parle du clonage, le clonage existe déjà depuis un bon moment. Quand on dit qu'on vient de le découvrir, ça fait 10 ans qu'il est là. Et le comité des 300 exerce une influence directe sur l'Institut royal des affaires internationales, qui, elle, exerce son influence sur l'Institut Tavistock des relations humaines, d'où ensuite le Club de Rome, le militaire américain et tout le pétrole, le système bancaire, les assurances, le commerce et l'industrie, tout ceci appartient au même groupe d'hommes internationaux. Vous et moi sommes des consommateurs qui faisons vivre à coups de milliards ces messieurs qui ont programmé la destruction de l'humanité. Est-ce que ceci correspond à quelque chose de vraiment palpable? Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Je vous ai dit au début de cette conférence que le journaliste, en général, qui ne croit pas à la parole de Dieu ou qui ne connaît pas les sociétés secrètes, doit relater les événements à partir d'une perspective superficielle. C'est-à-dire, les faits se présentent devant lui et il décrit les faits. Lorsqu'on a la notion des sociétés secrètes, on peut pénétrer davantage et savoir que ce qui est arrivé ne correspond pas vraiment à ce qui est apparent sur nos yeux, mais correspond à un plan qui est caché derrière quelqu'un. Ce sont les sociétés secrètes qui sont les récipiendaires de cette première notion. La deuxième notion, c'est est-ce que
La parole de Dieu est vraie? Est-ce que la Bible, c'est quelque chose de vrai? Est-ce qu'on peut s'y fier? Alors, je voudrais vous présenter maintenant la cohérence prophétique des événements qui arrivent dans notre monde maintenant. Est-ce que ces événements ont eu lieu vraiment en fonction de prophéties, ou bien encore si ces événements prennent place sans qu'il y ait une cohérence quelconque avec des prédictions qui auraient été faites, soit par des laïcs ou bien soit par la parole de Dieu. En tant que croyant, en tant que chrétien et eschatologiste, je me dois de vous présenter des choses que je trouve extraordinaires, qui sont hors de ce monde. C'est le mot de le temps de le dire, qui sont hors de ce monde. Parce que Dieu nous a présenté les choses qui allaient arriver jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour. Notre ministère est un ministère qui met en évidence les signes du retour physique de Jésus. Vous devez comprendre que si Jésus ne revenait pas, il y a 40 000 missiles qui sont prêts à partir en Ukraine, il y en a 15 000 sur l'Amérique du Nord. Dans peu de temps, la Terre exploserait. Déjà, Nikola Tesla, en 1942, nous disait qu'il pouvait, avec la technologie des champs électromagnétiques, qu'il pouvait briser, fractionner la Terre en deux. On est arrivé à ce stade-là. Alors, il fallait que quelqu'un vienne, un sauveur, non seulement un sauveur qui vienne sauver l'homme, qui vienne sauver notre vie éternelle, parce que tout homme est perdu dès qu'il arrive au monde, il est race d'Adam, il doit revenir, il doit venir membre de la race du nouvel Adam, c'est-à-dire de Jésus-Christ, mais il vient également sauver cette planète et qui serait bien sûr détruite non seulement par pollution, mais par fission nucléaire. Le prophète Osée, il y a déjà plus de 500 ans avant Jésus-Christ, a osé nous dire des choses sur notre monde maintenant. Il nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Mon peuple est ignorant. Et c'est pour ça qu'il faut détruire la Bible. Il faut la changer même, faire de nouvelles Bibles, changer la signification des mots dedans pour la banaliser. Alors, à travers le prophète en question, Dieu dira, puisque tu as rejeté la connaissance de Dieu, je te rejetterai, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Il parlait évidemment ici au peuple juif. Mais maintenant, il parle à nous. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, eh bien moi aussi, j'oublierai tes enfants. Et toute l'histoire que je vous soustrais maintenant se résume en deux mots. Le peuple hébreu a été dispersé à travers la planète depuis 2000 ans. Dans Luc 4, le verset 5 à 6, il nous est dit quelque chose qui nous amène à une profonde réflexion. Pourquoi y a-t-il autant de misère sur notre planète? Pourquoi les hommes sont-ils aussi méchants? Pourquoi le cœur de l'homme est-il aussi instable? Et pourquoi est-ce que nous sommes vraiment à la fin d'une époque, à la fin des temps, à la fin du monde? Je vais vous dire que nous ne sommes pas à la fin du monde, si vous voulez, ça peut vous rassurer, mais nous sommes à la fin des temps. Ce n'est pas du tout la même chose, je l'expliquerai en détail un peu plus tard. Dans Luc 4, le verset 5 et 6 nous donne l'énigme, la solution, pourquoi y a-t-il des guerres, pourquoi les hommes se détruisent? Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai cette puissance et je te donnerai la gloire de ces royaumes. C'est le diable qui parle à Christ, qui est après jeûner sur la montagne de la tentation, qui est près de Megiddo. Je suis allé sur cette montagne. Car, dit-il, cette puissance, elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. La terre que nous habitons, contrairement à l'opinion publique, n'appartient pas à Dieu. Nous vivons sur le terrain de l'ennemi. Et tant et aussi longtemps que nous vivrons sur le terrain de l'ennemi, Satan a des droits légaux sur vous, un droit légal sur vous, à moins que vous annuliez le contrat. Et je vous montrerai comment annuler le contrat. Voilà pourquoi nous avons des guerres, des accidents, du cancer, pourquoi nous avons tant de difficultés à vivre un siècle en bon état. On est toujours en lutte. Dans 1 Jean 5, 19, on est maintenant avec Jean qui est sur l'île de Patmos. Enfin, il est âgé. Il n'est pas sur l'île de Patmos, mais il est âgé. Il nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Qu'il soit dit que Jean ici parle à l'Église. Il ne parle pas aux nations. Il ne parle pas au monde entier. Il parle à l'Église. Il faut que vous entriez dans l'Église, c'est-à-dire dans le corps de Christ. Ce n'est pas une organisation quelconque sur le coin de rue, l'Église de Jésus-Christ.
C'est le corps de Christ, c'est une relation avec Jésus-Christ, c'est là son Église. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Confirmation. Maintenant, je vais vous expliquer dans deux mots, parce que nous avons des cassettes qui expliquent entièrement le statut de Nabuchodonosor que vous pouvez vous procurer en Daniel 2, 7 et 9. Je dois vous donner deux mots aussi d'explication. Alors, Daniel a une vision, c'est un prophète de l'Ancien Testament, 600 ans avant Jésus-Christ. Il dira, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense. C'est le roi de Babylone qui a une vision, puis il veut que quelqu'un lui explique. » Et Daniel lui dit son rêve, et elle était d'une splendeur extraordinaire. Il lui dit, « Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée de cette statue, sans le secours d'aucune main. » Et cette pierre frappa la statue dans ses pieds. Elle frappe pas la statue n'importe où, dans ses pieds, qui étaient de fer et qui étaient d'argile. Et cette pierre brisa les pieds. Le vent les emporta et il ne s'en trouva plus de vestiges. Autrement dit, c'est la destruction totale des pieds de cette statue. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une montagne et elle remplit la terre. Qu'est-ce que c'est que cette statue? D'abord, vous ne gênez pas le temps de vous expliquer, mais la tête représente l'empire babylonien, la poitrine et les bras représentent l'empire médo-perse, les hanches représentent l'empire d'Alexandre le Grand, les jambes représentent l'empire romain. Et les doigts de pied que vous voyez avec une pierre qui tombe représentent les 10 biorégions de la fin des temps. Les 10 orteils, c'est la fin du stage qu'on appelle le temps des nations. Le temps des nations, c'est cette période de temps que Dieu a donné à l'homme pour régner sur notre planète. C'est l'homme qui administre notre planète. Et l'homme a manqué son coup au cours des siècles, au cours des millénaires. Les hommes ont été malheureux, les hommes se sont entretués. Il n'y a jamais eu de paix sur notre planète. Les historiens vous diront que le plus grand nombre d'années où il y a eu, qui a été sans guerre sur notre planète depuis deux millénaires, c'est 40 ans. Il y a toujours eu des guerres quelque part. Alors, dans la prochaine photo, il me parle ainsi. Et c'est Daniel qui parle de l'ange qui lui dit, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera. Donc, au moment où Daniel le reçoit, il est au futur sur la terre. Ce royaume sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Ce que je veux mettre en évidence, c'est d'abord qu'il foulera toute la terre. Au 17e siècle, on n'avait pas la technologie pour s'emparer de toute la terre et la structurer. Maintenant, on l'a. L'Internet, là. Les ordinateurs sont là. La technologie, là. Les avions sont là. Tout peut être contrôlé sur toute la planète Terre. Et regardez ce que les sociétés secrètes nous annoncent. World Citizenship. Ça veut dire citoyen du monde entier. C'est maintenant le temps. Nous sommes entrés dans la dernière phase du temps de l'humanité. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce qu'on va exercer cette domination sur la planète? Premièrement, par les religions. Les religions vont bientôt s'unir. Elles sont en train de s'unir. Et en s'unissant, ils vont faire une puissance, une force qui n'a jamais existé. Mais ces religions ne sont pas chrétiennes. Elles sont de toutes les sortes. Ensuite, par la technologie. Il faut s'emparer de la technologie. Ils ont la technologie. La technologie que vous voyez maintenant n'est rien à celle qui est cachée. Je n'ai pas le temps de vous en parler ce soir. Mais en d'autres temps, si vous voulez, nous vous montrerons la technologie. Et également par le militaire. Bientôt, ne soyez pas surpris, vous verrez les rues des militaires qui s'approcheront, qui rentreront dans nos rues. Un jeune homme m'a appelé de Montmagny en fin de semaine pour me dire comment ça se fait qu'il y a des véhicules militaires chez nous. Eh bien, je lui ai dit, mon cher, c'est parce qu'on se prépare. Après, on prépare le public à la vue des militaires chez nous. Et bientôt, après qu'ils se sont habitués, on donnera l'ordre de déplacer la loi martiale et ainsi commencera le dernier stage de l'apparition de l'impie. Le prochain image vous montre ce verset extraordinaire, car le mystère du mal, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est Paul qui dit ça, ça fait 2000 ans qu'il dit ça. Il dit-il, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Celui qui le retient, c'est l'Esprit Saint.
Et dès qu'il aura disparu, alors paraîtra l'impie. C'est cet homme qui sera l'unique homme qui mènera, qui conduira toute la planète entière, et nous l'appelons l'Antéchrist. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Lorsque Jésus revient dans Apocalypse 19, par le souffle de sa bouche, il détruira cet impie qui est Lucifer lui-même qui vient sur cette planète. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Attendez-vous à bientôt à voir arriver des hommes qui font des miracles, qui font des prodiges. C'est une puissance satanique qui sera derrière eux. Et cette puissance satanique, elle séduira des millions de personnes parce que ces personnes n'ont pas accepté l'amour de la vérité qui nous révèle ces faits. Ne le sachant pas, ils seront séduits par ces choses. Et il se fera avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, mais des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Et la raison pour laquelle ils périssent, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Attendez-vous ce qu'il y a de plus en plus de gens maintenant, nous sommes entrés dans cette période, qui veulent ne rien savoir ni de Dieu, ni malheureusement non plus ni du diable, ils ne croient plus en rien, ni loi, ni foi, parce que cette puissance d'égarement a été prophétisée. Dieu a donné 2000 ans à l'humanité pour aller vers son Fils, aller vers Jésus, pour se baigner dans la doctrine biblique. Et les hommes ont refusé. J'ai plein de patients qui disent qu'ils croient en Dieu et qui n'ont jamais ouvert la Bible une seule fois. Ils se sont donc fait un Dieu à eux. Ils se sont fait un Jésus à eux. Mais le Jésus de la parole de Dieu, il est là pour rectifier les critères, les paramètres de ce que ce Dieu veut. C'est le seul et unique moyen du salut. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il est faux de croire que Dieu n'est qu'amour. Dieu est justice. On ne parle que de l'amour de Dieu, mais on a oublié sa justice. Vous devez vous approcher de la justice de Dieu. Je vais vous le montrer dans un instant. Maintenant, si vous êtes là pour une première fois ici ce soir et que vous êtes un peu désolé, vous êtes triste parce que vous voyez ce qui s'en vient, est-ce que nous avons de l'espérance pour un meilleur monde? Mes amis, je vous en prie, ne vous découragez pas. Si je n'avais pas une bonne nouvelle, je ne vous conterai pas ce qui vient. Mais je veux que vous sachiez ce qui vient, afin que vous sachiez qu'en même temps que ces choses viennent, une bonne nouvelle est annoncée. Dans Actes 3, les versets 20 à 21, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. » Et nous sommes entrés dans les temps où bientôt toutes choses seront rétablies, dont Dieu a parlé par la bouche des prophètes depuis longtemps. La prochaine image vous montre quelque chose d'important. Dans ce que vous avez ici, c'est la terre entière qui a été divisée dans 10 biorégions. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. De quel roi? Eh bien, les rois qui régneront sur les 10 biorégions qui ont été programmées, divisées par le Club de Rome en 1968, afin que nous puissions faire disparaître les pays, les souverainetés nationales, pour diviser la terre en 10 biorégions avec 10 rois ou 10 cornes. Eh bien, il nous est dit, « Et qui ne passera point sous sa domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » C'est cette pierre que vous avez vue tomber sur les orteils de la statue. La statue nous indique le temps de l'humanité depuis le moment où Nabuchodonosor règne sur Babylone jusqu'au retour de la pierre qui tombe, qui symbolise Jésus-Christ qui revient et qui vient rétablir toute chose. Ce sera le temps, la fin du temps des nations. Dans Daniel 7, le verset 27, et le règne, et la domination, et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront.
Nous irons bientôt exactement vers un seul chef, mais ce ne sera pas un despote, ce ne sera pas un criminel, ce sera un chef qui vous aime et qui établira la paix sur la planète Terre pendant 1000 ans. Un chef qui réétablira non pas un paradis, mais presque un paradis sur cette planète après qu'il sera revenu à la fin des 7 années de tribulation. La prochaine image nous dit ceci d'important. Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté. Dans le contexte biblique, un méchant, c'est toute personne qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est ça un méchant. Parce que seul Jésus-Christ peut transformer mon cœur et le vôtre. Personne n'est capable de se transformer avec les critères de Dieu, avec les standards de Dieu. Uniquement celui qui vous a créé est capable de vous transformer. Si vous n'entrez pas en relation avec Jésus-Christ, personne Dieu, vous allez demeurer un fils d'Adam sans transformation, rempli d'angoisse, de prétention personnelle. Et dans Daniel 12, 10, qui est donc cette pierre qui tombe sur les 10 biorégions, telle qu'on le voit maintenant avec cette statue qu'on trouve dans Daniel 2, eh bien, qui tombe sur les 10 biorégions. Les versets suivants nous disent dans Acte 4, les versets 12, la pierre rejetée par les bâtisseurs, cette pierre, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus, le Jésus qui était là, est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez. Qui est-ce qui bâtit? Mais les Nations Unies ne sont-ils pas en train d'essayer de bâtir un monde nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus-Christ? Ils l'ont mis au rancard. Parce que seul Christ connaît l'homme et seul Christ peut sauver l'humanité. Mais ils l'ont mis au rancard. Et Dieu le savait dans son omniscience, son omniprésence. Il nous l'a prophétisé il y a 2000 ans par l'apôtre Paul, par les apôtres qui étaient là. Il nous disait bien, il n'y a de salut dans aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. N'essayez pas de vous sauver en fréquentant une église. Ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est une personne. Ici, dans l'Église où vous allez, on n'enseigne pas cette personne, et uniquement cette personne, et globalement cette personne, et qu'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu pour vous enseigner cette personne. Je vous conseille, si vous voulez être sauvé, de sortir en courant de cette Église. Trouvez-en une où on enseigne un salut gratuit. Le salut ne se gagne pas. Heureusement, parce que je suis fatigué, j'ai plus envie de gagner rien. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes perdus, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de nos sauveurs? C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, ça vient d'un mot grec qui veut dire manquer la cible. Dieu avait créé l'homme pour une relation avec lui, et Adam et Ève, nos premiers parents, ont été tentés par des démons. Le meilleur, le plus important, le plus intelligent des démons, qui l'a amené à croire qu'il était un dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui que le Nouvel Âge enseigne que l'homme est un dieu. C'est un vieux mensonge. Rien de nouveau sous le soleil. Et ensuite, on a évidemment symbolisé la pomme. On a dit qu'ils ont mangé la pomme. Évidemment, on n'a aucun verset biblique qui nous dit que c'était une pomme. Mais ce que nous savons, c'est que dans cette pomme, qu'est le péché, est contenu deux choses. La parole de Dieu nous dit bien ceci. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et connaissant le mal. Et des millions de personnes aujourd'hui se déclarent des dieux et par l'élimination intérieure vont arriver au niveau de Dieu. Et ça, c'est un vieux péché, un vieux mensonge amené par Satan dans le monde qui est encore là aujourd'hui. Dans Romains 11, le verset 32, il nous a dit, « Mais Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tout homme est désobéissant à la parole de Dieu. » Pourquoi? Parce que nous avons reçu le péché par génétiquement. Vous avez beau être bien, être bon, vous avez beau être gentil, il n'y a rien à faire, le péché est en vous, transmis par nos parents. Le péché est génétique. Quand on arrive au monde, on n'a pas besoin de montrer à nos enfants à tirer les cheveux ou à graffiner les joues du petit voisin.
On n'a pas montré, on n'a pas besoin de montrer à nos enfants être menteurs, être voleurs. Ils le sont de nature. Eh bien, ce péché originel, il est dans la pomme. Et que vous soyez bon durant votre vie ou que vous soyez méchant, tout est dans la pomme. Les deux menus de l'ordinateur sont dans la pomme et il faut que la pomme soit renouvelée. La pomme est aussi loin de Dieu que le pont que vous voyez ici, que le précipice que vous voyez ici. Et la seule façon d'aller à Dieu, c'est en passant par le pont que vous voyez là. Et ce pont s'appelle Jésus-Christ. On ne peut y échapper. Dans Romains 3, le verset 23, il nous est dit ceci de très important, que peu de personnes savent. Il faut que vous sachiez ceci. Romains 3, 23 est un verset à prendre par cœur. Car il n'y a point de distinction. Et je parle aux gens qui font partie d'une religion officielle dans laquelle on vous dit que Marie est immaculée. Si Marie est immaculée, la Bible est fausse. La Bible nous dit ceci, il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout homme est privé du salut. Tout homme qui arrive au monde est pécheur et perdu. Oh, je sais que vous pensez à vos enfants, mon petit bonhomme qui est mort, qui avait un an. Ne vous inquiétez pas pour le petit bonhomme qui est mort il y a un an. Il n'a pas participé au péché, le petit bonhomme qui avait un an. Il est sauvé, votre petit bonhomme qui avait un an. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour des choses comme celle-là. Mais dès qu'on devient conscient, c'est compliqué de vous expliquer les dispensations. Ce soir, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais je vous dis ceci, vous êtes adulte. Vous aurez une décision à prendre maintenant, parce qu'il n'y a que des avantages à prendre la décision. Dans Éphésiens 2:8 arrive le verset qui, moi, m'a amené dans une grande remise en question. Car vous êtes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, parce que Dieu le veut bien, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? Le salut. On ne peut se sauver soi-même. C'est un don de Dieu. Dieu vous a donné le salut pour prix de votre foi. Et dans Actes 3, 19, il nous a marqué, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et aujourd'hui, des évangélistes ou encore des gens de d'autres dénominations enseignent le ciel, enseignent que Dieu est bon sans la repentance. On ne peut aller dans le royaume de Dieu si vous pensez que le ciel existe encore. Effectivement, il existe encore. Vous ne pouvez être sauvé sans la repentance. La repentance, ce n'est pas le regret. Le regret, je regrette l'acte que j'ai fait. La repentance, je regrette l'homme que je suis. Le regret s'adresse à la pomme qui est pourrite. La repentance s'adresse à l'arbre qui crée des fruits pourris. C'est la différence. Il faut qu'aller devant le Seigneur, lui demander pardon de vos fautes, et il vous acceptera en tant que né de nouveau. Vous devez naître de nouveau. L'espérance du croyant de la fin du temps de la grâce, parce que le temps de la grâce est là depuis que Jésus a payé le coût pour vos péchés. Le coût pour vos péchés a été payé sur la croix quand Jésus a dit « Tout est accompli, la loi était accomplie. » Elle n'est pas finie, la loi, mais elle est accomplie en Jésus-Christ. Il faut que vous alliez à Christ, et c'est lui qui est le Sauveur. L'espérance du croyant, car le Seigneur lui-même, notre espérance, elle est ici, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec la voix d'un archange, et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement, et nous ensuite, les vivants, nous qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mes amis, c'est ma plus grande espérance. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Si vous acceptez Christ aujourd'hui dans vos vies, si vous acceptez que vous êtes pécheur et perdu et que vous avez besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ, et que vous voulez vous conformer à ses standards, il faut que vous appreniez, il faut que vous suiviez Jésus. Il va placer à l'intérieur de vous ce besoin de le connaître. C'est une personne, ce n'est pas un système, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une religion, c'est une personne, c'est lui qui vous a créé. Mais on est aveugle à cause du péché de nos premiers parents, transmis génétiquement. Ce Jésus, bientôt, va nous enlever de terre avant l'arrivée du système de l'Antéchrist. Et voilà maintenant pour les prophéties qui viennent nous situer dans le temps. Ces prophéties se réalisent sur nos yeux maintenant. Voilà, terminé.